DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bonjour. Coupe d'Afrique des Nations Cannes de moins de 23 ans, Maroc 2023, le regroupement progressif des Léopards U23 s'est poursuivi hier mardi à Kinshasa. Il prépare le match aller des éliminatoires face à leur homologue de Éthiopie, prévu le jeudi 22 septembre à Addis Abeba. Le match retour aura lieu à domicile le mardi 27 septembre au stade des Martyrs de Kinshasa. Hier, lors de cette deuxième journée de préparation, il y a eu deux séances d'entraînement de chaque jour. Le matin, au terrain Venus Village, dans la commune d'Entele, où ils sont logés. Et puis l'après-midi, au terrain du centre technique Kourarampova de la FECOFA. Manzoukoula Emmanuel, le médecin des Léopards U23, s'est exprimé sur le planning arrêté sur la préparation et les déplacements. On est en regroupement progressif. On est aujourd'hui, on a 18 joueurs cet après-midi. Ils sont en train de travailler. Le premier groupe qui est entré il y a deux jours, ils ont fait un certain nombre de tests. Les tests
sensibilise les joueurs sur les gestes et barrières, notamment les lavages des mains avec les gels hydroalcooliques, ainsi que les formes obligatoires des masques. Et sur le plan médical, la prise des médicaments qui vise à renforcer les joueurs sur le plan immunitaire. Il est prévu 3 tests de COVID-19. Le premier test est prévu 24 heures avant le voyage. Le second et le troisième test, ce seront les tests d'avant-match. Les tests d'avant-match en Éthiopie et les tests d'avant-match qui seront réalisés ici avant les matchs entre la RDC et l'Éthiopie. Comme on a éboué la Steve, nous avons dit que nous avons une préparation pour nous. Nous avons dit que la physique. Pour le moment, tu as la préparation et l'ambiance, c'est ça bien. Le groupe peut tout continuer à faire au travail. On espère que mieux se ira bien. L'objectif, c'est que tout le monde soit à 3 points sur toi. On espère la qualification pour que tout le monde soit à peine en Algérie. Moi, c'est Elie Pantou, je viens de l'Est avec le club de Kinshasa. Premièrement, je suis d'abord très satisfait parce que c'est ma toute première fois d'être sélectionné en équipe nationale. Je suis vraiment très satisfait pour ça. Donc, tout ça a juste été la préparation. Préparation balai depuis lundi soir. Tout ça toujours concentré pour nous, Lukayaku. Quoi, arracher 3 points au tout. C'est là vraiment préparation, ça aussi passé très bien. Puis, ambiance, là, niveau et équipe, ça vraiment bien. Succès, objectif, Naviso principal, c'est ça que. Qualification de la photo en Éthiopie. Donc, tout vraiment maillot pour nous permettre de gagner le match aller. Puis, match retour, c'est juste une formalité pour nous, la stade des martyrs. Let's go.